Vous aimez la 144p parce que moi non. Eh bien salut, j'espère que vous allez bien, j'ai le nez bouché donc désolé si mes mots je l'ai pas fouillé un peu. Aujourd'hui on se retrouve pour tester Roblox en 144p. Bien évidemment le gameplay est dégueulasse. Après tout on est là pour faire des petits trucs très sympas sur cette chaîne, on est là pour tester tout et n'importe quoi. Donc n'hésitez pas à me dire quel genre de jeu vous voulez qu'on teste dans les commentaires. En tout cas je serai ravi de voir vos propositions pour le peu que j'ai le jeu par contre. Et aujourd'hui cette merde. C'est littéralement le cas de le dire. On se retrouve sur Roblox sur le mode de jeu Doors parce que c'est un de mes modes de jeu préférés et c'est clairement celui dont je compte jouer durant toute la vidéo. On ne voit rien, voilà. Là je sais même pas ce qu'il est écrit. Je vois même pas mon succès sur moi. Comme je vous dis vraiment, le gameplay fait la taille d'un pouce. Les gars, je ne vois rien. Donc on va essayer de jouer comme ça, hein. On verra si on est si fort. Et les émerdis, la 144p. Aïe 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 aïe, on adore faire ça. Si vous vous demandez d'ailleurs comment est-ce que je fais pour faire comme ça les résolutions en 144p, tout se passe dans le changement de mise en résolution personnalisée. J'ai fait un bon tuto sur YouTube pour ça. Comment changer sa résolution, allez la voir si vous le souhaitez. Bon, en tout cas, nous on prend... je vois qu'il écrit crocheteur, lampe de poche, briquet et vitamine, mais après là je sais pas que c'est. Allez c'est bon, on prend rien. On démarre les couilles à salaire. Oh c'est dégueulasse. Alors c'est fluide hein, mais c'est dégueulasse. Oh la faille. Regarde, qu'est-ce qu'ils t'ont fait, la faille. Il y a ma femme à lampe dedans. Waouh. Waouh. Allez, ça bug encore alors que je suis en 144p. Alors si vous jouez comme ça, franchement je vous plains. De 1 avec la graphisme au minimum parce que Roblox c'est vraiment pas un jeu qui pompe beaucoup. Et de 2, mais putain mais la lumière. Et de 2 avec cette résolution là, heureusement que personne n'a la 144p. Même les téléphones de l'époque n'avaient pas de 144p. C'est... Ah il y a un briquet au moins, voilà, je reconnais le briquet. Oh putain mes doigts ils sont gras à l'aide. Attends, je les nettoie souvent. Coffre. Et il y a que de la moula. Moi je vous dis, les lumières elles sont dégueulasses. Elles sont dégueulasses. Waouh, waouh, ouais, tu me prends ma thune. Bon, bah d'ores, écoutez, vous connaissez, le principe c'est simple, c'est d'aller de porte en porte, faire en sorte d'esquiver les monstres, enfin, d'esquiver ce qui va vous arriver sur la gueule, pour peu que moi je puisse le voir du coup. Et votre objectif du coup est bien évidemment d'aller à la porte 100 pour partir de cet hôtel de merde. Vous allez descendre à la porte mes couilles en string. Ah, il est là, ok, je vois rien. Vous voyez quelque chose à travers ces trucs, en plus c'est foncé, donc de plus qu'il n'y a pas de lumière, en plus c'est mal résolutionné, c'est quoi ce jeu? Oh, on est en 2024 et tu me fous encore ces merdes là. Voilà, coffre fermé, génial. Comme si on n'en avait pas déjà plusieurs. Bon, là c'est une porte, oui. Y'a rien dans ces placards de merde. Même pas foutu de mettre un truc dans cet hôtel quoi. C'est quoi ce truc? Moi je viendrai pas dormir là-bas les gars. Un coffre fermé aussi. Et tout est fermé dans cette vie ou... Je viendrai pas dormir dans ce genre d'hôtel hein. Moi c'est clairement pas un lieu où j'ai envie de passer mes nuits. Ah, j'ai cru qu'il y avait un placard. Oh mon cul. Oh mon... Mais moi j'ai mes yeux, je sais pas où ils sont, je vous le dis, je sais vraiment pas où je me situe. Mais pour l'instant, on s'est même pas fait attaquer une... La barre orange pour savoir si c'est ça le levier, elle fait 4 pixels. Voilà, est-ce que c'est bon pour vous? J'en ai ras le cul. Allez, c'est pas grave, on va réussir de toute façon. On est à la porte 11. Pour moi, ça c'est visible, tu vois. T'as juste à t'approcher, regarde, d'ici, je le vois pas. Voilà, pour moi, là, c'est la porte 0000. Mais si tu t'approches, franchement, ça se voit, hein. Attends, et là-haut, il y a quelque chose ou... Ah, là-haut. Ça, c'est la porte combien? C'est la... Wow, en plus je l'entends. Je l'entends le bougre. Donc la 12 elle est en bas. Prends la moula. La 12 du coup elle est en bas. Bah on va en bas alors, c'est parti. On va continuer. Buvez du bon coca bien évidemment. Pour l'instant c'est pas encore fait attaquer. Il y a un pansement, pourquoi pas. Mais prends la thune. T'ouvres les casiers. Pourquoi tu prends pas la thune? Mais qu'il est intelligent celui-là. L'argent c'est essentiel. T'en as besoin frérot, de l'argent. Une porte. Ok. Bon ça c'est facile à trouver. Voilà, la clé elle est là. Forcément tous les joueurs de Doors savent de toute façon où comment sont disposées ces pièces. Comment est-ce que c'est possible de finaliser cette merde? Je sais pas, j'ai... Mais regardez. Oh, ça a clignoté. Oula, attends. Oula, 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 oula. Oula. Moi y'a rien. Sinon attendez, avant de dire tout ça, même là mon nombre de pièces je sais pas ce que c'est. C'est quoi? C'est 160, 130, 180, 190? C'est quoi? Je vois même pas ma thune au dessus. Putain mais mon clavier. Mais je sais pas, ça a clignoté ou... Ça a pas clignoté, on est d'accord que ça a pas clignoté. Ah là ça clignote, oui. On va vite se mettre là. Moi je vous le dis. Ça me fait peur moi ce genre de jeu. Je l'ai même pas vu, voilà. Je l'ai même pas... Waouh. Toi par contre je t'ai bien vu, oui. Avec ta lumière bleue flashy, t'es le seul à faire ça, toi. Non, merde, c'est pas ça. Je suis con. Je vais dans une porte, y a pas de numéro. Mais forcément ça s'ouvre pas. La bougie elle est meilleure pour ça, je pense. Ah.
Je t'emmerde. Il s'est tellement passé rien tout le long que j'attendais qu'il se passe quelque chose pour finalement avoir Screech. Génial. C'est quoi ce jeu de merde? Aidez-moi s'il vous plaît. Vous avez vu ce que vous me faites subir là? Et de 1, je joue comme de la merde, avec une résolution de merde, et il y a un gars de merde qui vient m'emmerder. Putain, mais à l'aide. Donc toi t'apparais vraiment au meilleur endroit toi. Franchement, une belle vie que tu as. Oh, il y a un pansement. Mais oui, mais j'ai pas besoin de ton pansement là. Y'a quoi là-dedans? Accrochetage. Ok, ça va peut-être me servir. Alors, bah, ah, attends, c'est vrai qu'il y a un pansement, putain. Ah, toi, tu vas me servir. Allez, c'est bon. Voilà, ton impact a été négatif. Timothée, fallait faire mieux quand même, hein. Je t'avais appris, moi, à attaquer les autres. Mes amis sont beaucoup fait attaquer sur ce jeu. À cause de toi. Ok, faut trouver la clé, là. Faut trouver la clé. Non. Je vois rien, mais c'est indécent. C'est... Pourquoi je m'inflige ce genre de merde? Je pourrais jouer, je sais pas, GTA 5, à Black Ops 6 qui vient de sortir, à VR Chat parce que tout le monde me le demande. Mais non, je joue à ça en 144p. Mais elle prend les pièces, la putain de tarasse! On dirait il est anti... anti je sais pas quoi, là. Il y a des moments, je me demande même pourquoi. Hein. Ok, il y a une pile. J'ai pas besoin de pile, j'ai pas de lampe. Forcément... Attends. C'est une deuxième pile, mais tu te fous de ma gueule! J'ai pas de lumière et mettre deux piles! Non mais il y a des moments, ce jeu, tu m'emmerdes. Par contre, ça fait grave longtemps que je suis dans la pièce, là. Elle est où, la clé, là? Non, dis-moi pas qu'elle est là. Dis-moi pas que je l'ai ratée. C'est pour ça que j'aime pas ce jeu. On continue notre volée extraordinaire vers le monde de Narnia, visiblement. Là, il y a quoi? De l'argent. J'aime l'argent. Et là, il y a quoi? Narnia, encore. Attends, là, c'est vide. Je veux juste aller voir. C'est vide, c'est tout aussi vide. Aussi vide que mes couilles, aussi vide que mon cerveau. C'est... Faut de ma gueule, affieux. Je pense que ça marche ici. Si ça marche, je me suce. Ça marche! Let's go! Je ne le ferai pas! Ok, il y a Ice. Bonjour Ice, tu es très beau Ice. Je t'aime. C'est faux. La bougie avait pas de flamme! Tu m'emmerdes! Maintenant j'ai peur des Screech, comment ça se fait? J'avais rien avant! Pourquoi maintenant j'ai peur des Screech? Là, ça signifie qu'on va se faire une bonne course-poursuite des familles. Vaut mieux en deux qu'un. Putain, les gnieux, il y a tellement de gnieux, à l'aide. Arrête de m'observer quand je me fave sous la douche, voyons. Oh non, hey, c'est bon, moi les portes comme ça. Attends, c'est la porte combien? La 33, on va à la 34 directement, on s'en branle, on va le crocheter, là ça m'emmerde. Rien à foutre, on va à la 34. Est-ce que c'est celle d'en face? J'arrive pas à voir. Je vois toujours pas. C'est la 33, allez on se casse. Ouais, ce jeu va me faire péter des câbles, je le sens, moi. Je demande juste le fait de me barrer, c'est pas compliqué. Une petite course poursuite, je peux comprendre, mais là, ça m'emmerde. Allez, on se casse, on va tout droit, c'est notre avenir, c'est on y va, on saura sauver notre existence. Moi, ça clignote beaucoup, là. C'est-à-dire que là, c'est la fin, c'est ça? Non, pas encore. Après, ça sera la fin. Oh putain, la thune! Voilà, là, c'est la course poursuite. Allez, est-ce qu'on arrivera quand même à voir quelque chose dans 144p? Bonjour, personne moche sans shader, sans... What, t'es noir! Allez, let's go! Ouais, forcément, wow. Bon, alors déjà, c'est dur. Ok. Wow. Pour l'instant, tout va bien. C'est où? C'est tout droit. On voit à peine! Allez, tous les graphismes au minimum, c'est chaud, les gars, je vous le dis. C'est où? C'est là. C'est bien, c'est que je dois faire un micro-balayement des yeux pour comprendre où c'est. Parce que, tu sais, la fenêtre, elle est tellement petite... Tu fais juste... Tu vois. C'est la combien? La 43, du coup la 44. Ok. Wouh. Enfin, ça va, c'est... Enfin, facile. D'un certain sens, c'est facile, oui. Mais pas dans tous les sens du terme. Là, il faut aller à la combien? De toute façon, il y en a qu'une. Alors, on y va. Pas encore de mon gueule. Ah, temps de venir, hein, tu sais. Voilà. C'est temps de faire le parcours, tu sais, il y avait encore besoin d'une petite longueur. Il était pas encore bienvenu, la salle était relativement longue. Ah! J'allais dire quand même, c'est bizarre. Arrête de mettre des salles dans le noir, toi, malin! Ok. Ouais, je m'emmerde. On va se laisser crever, moi je te dis. Et ce jeu, il me fait peur. Allez, let's go. Oh. C'est vrai qu'on est arrivé dans une période où maintenant il casse cette lumière là avant de... T'es beau en tout cas, hein, t'es beau, t'es très pixel. Vous puez le pixel, monsieur.
Y a pas de livre ici? Bonjour monsieur, vous puez le pixel! Allez prendre sa page de con là. C'est bon, je prends sa page de con. Au peu que j'arrive à la lire. Parce que j'arrive à la lire au moins. Ça va, j'arrive à la lire. Ah monsieur! Profitez là-haut! Je vous vois à peine! C'est vrai que maintenant, si tu ouvres les casiers, il arrive à plus ou moins te détecter. Il arrive à plus ou moins savoir où le casier a été mis. Bon, en vrai, j'ai envie de mourir, les gars. J'ai envie de prendre le réveil sur la table là-bas et crever. Attends, qu'est-ce qu'il fait? Là, il y a un réveil. Regarde, t'es pas ce qu'on va faire. On va mettre le réveil bien au milieu là. Bam! Regarde. On va rester là, on va rester vers le placard ici. Regarde. Nickel! Voilà, on l'a énervé. Maintenant, il fait gre. Ça va? Tu gre bien, mec? Ouais, ça gre bien ici, hein. Là, je vais courir. Oh putain de sa mère! Bon, bah vas-y. Oh, il va plus vite que moi. Oh! Hey, je l'esquive, esquive! Esquive! Eh oh! T'as vu mon boudin? Au revoir, mon boudin! Allez, vas-y, tue-moi. C'est bon, maintenant on sait tout ce que ça fait en 144p, il y a pas besoin de fricoter avec toi, hein. Oh putain, même là l'écran il est moche. Aucun détail. Il n'a aucun détail. Allez, je quitte parce que c'est de la merde. Bon, mais écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo en 144p. J'espère sincèrement qu'elle vous a pas fait mal aux yeux parce que sinon ce serait débile. Dites-moi sur quel jeu vous voudriez que je teste la 144p pour un peu voir ce que ça donne. Ça va continuer à faire piquer les yeux mais ça serait marrant. Donc je serais ravi d'avoir vos propositions dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si cette vidéo vous a plu et on est quasiment bientôt à 50 000. Donc si vous souhaitez, ou même peut-être qu'on sera à 50 000 durant cette vidéo, hein. Peut-être qu'elle sera sortie quand on aura les 50 000. Donc si vous le souhaitez, merci infiniment à tous ceux qui s'abonnent et à tous ceux qui partagent le contenu, parce qu'il n'y a que grâce à vos partages qu'on arrive à là où on en est. Donc merci encore infiniment, moi je vous dis bye et continuez ce que vous faites sur YouTube, parce que sinon ça ne serait pas YouTube. BOUM!